Comme tous les vendredis, Georges et l'homme au chapeau jaune passaient leur soirée à jouer au bowling. Mais ce vendredi soir-là n'était pas comme les autres. C'était un soir de tournoi. Parmi tous les joueurs de bon niveau, l'homme au chapeau jaune était le seul dont le plus fervent supporter était capable d'applaudir avec les pieds. C'est vrai qu'elle est belle, mais si je n'utilise pas ma propre boule, je n'arriverai pas à renverser une seule quille. Ah. Ouais. À Madame Renkins de jouer. C'est son dernier coup. George regardait sa boule avec admiration. Elle était si belle, si tachetée, on aurait dit une vache laitière. Qui a gagné? Vous finissez tous les deux premiers ex aequo. Oh, oh. Ce qui signifie que demain soir, une nouvelle épreuve sera organisée pour vous départager. Bravo et bonne chance à tous les deux. Étant donné que la route était en pente, George n'avait qu'à pousser la boule. Peu importe qu'elle tombe dans la rigole, elle arriverait quand même à destination. Ça alors, il y en a un qui démarre le concours en fanfare. Je n'étais pas une boule de bowling, mais un boulet de canon. Je ne l'ai même pas vu partir. Comment? Tu as vu ce qui vient de se passer? C'était la première fois qu'un joueur réussissait à faire un strike en ayant lancé sa boule de l'extérieur.